conférences, vous avez vu des programmes, etc. Si vous pouvez manifester par rapport à la qualité, l'organisation, etc. J'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. J'ai regardé le programme et puis il y a des présentations intéressantes. Donc j'aimerais bien participer et puis je suis sûr que je vais apprendre de bonnes choses. Et la gestion des projets, c'est important en aviation parce que nous avons des grands projets qui durent plusieurs années et qui coûtent très cher. Oui. Et donc c'est très important d'avoir des gestions efficaces, très serrées. Et en même temps, on a besoin d'innovation. Donc d'avoir une gestion aussi qui laisse la place à la créativité. Et comment mettre tout ça ensemble, c'est pas facile. Et donc, on apprend toujours. Oui. Comment vous envisagez, en fait, dans l'aviation, en particulier chez Bombardier, la place de la gestion de projet pour les projets à venir? C'est-à-dire, comment vous envisagez, c'est-à-dire, par rapport à la réussite, l'organisation des équipes, partenariat avec l'université? J'aurais aimé avoir aussi votre avis là-dessus, par rapport. Comment oui. vous voyez ça, d'après votre expertise, votre expérience? Oui, mais chaque projet est différent. Hein? Tout à fait. Parce que chaque projet fait intervenir des partenaires différents, des fournisseurs différents, des marchés différents parfois. Oui. Et donc, nous autres, on doit amener ensemble le client oui. qui demande le service. On doit amener ensemble les ingénieurs qui ont les technologies pour répondre à ses besoins. Et on doit amener ensemble les partenaires qui avaient et leur technologie et leur méthode de fabrication pour okay. pouvoir mettre tout ça ensemble. Donc, mais je dirais que quand on fait un avion, évidemment, c'est pleine grandeur, la gestion oui. de projet. Oui. Mais quand on fait des projets de recherche et développement, c'est la même philosophie, mais à une échelle tout à fait. Voilà. Quelle est la place aujourd'hui de la éco-conception dans vos activités de développement de nouveaux produits? C'est une place qui grandit et qui devient de plus en plus importante. Donc, on a un département d'éco-conception qui éduque nos ingénieurs, qui fait en sorte que dans le passé, on faisait la conception des avions en disant comment est-ce qu'on va assurer la fonction avec le moindre coût et la meilleure fiabilité. Tout à fait. Maintenant, on regarde comment assurer la fonction au moindre coût, avec la meilleure fiabilité et avec l'impact le plus faible sur l'environnement. Okay. Quel serait votre... Bon, on parle là, nous sommes en train de commencer déjà à réfléchir. On vient de commencer la troisième édition de cette conférence. Pour les prochaines éditions, des choses qu'on pourrait penser qui devraient faire partie d'une conférence en gestion de projet, disons avec un volet aéronautique, là. Quelles seraient pour vous des choses à être traitées de façon privilégiée? Moi, je pense que dans l'avenir, on va voir un afflux de plus en plus grand de l'intelligence et des données et du traitement des données dans ces grands projets. Et donc, comment l'engineering va pouvoir utiliser les avancées dans le traitement des données, dans l'intelligence machine, oui. pour pouvoir améliorer les processus de décision. Parce qu'en aéronautique, on prend souvent des décisions avec un nombre restreint de données oui. qui ne couvrent pas tout. Et donc, on doit très souvent avoir des jugements. Oui. Et donc, mais on a un certain temps et donc un certain nombre de personnes qui peuvent pendant un certain temps analyser les données disponibles. Oui. Si on peut se faire aider pour avoir une analyse plus profonde de ces données dans la prise de décision, je pense que ça va affecter beaucoup la façon dont on décide des choses à l'avenir. OK.